Julie Debré en couple avec une ancienne équipière se lance dans une nouvelle aventure de Koh-Lanta. La footballeuse affiche régulièrement sur les réseaux sociaux aux côtés de Regine Barzi. Revelation sur leur amour. Elle, émission culte de TF1, Koh-Lanta revient cette année avec une nouvelle saison appelée « Il feu sacre » et... En effet, Denis Brognard est toujours à elle, animation. Il est accompagné de 20 nouveaux aventuriers dont le tournage se tenait aux Philippines. Dans ce sens, parmi les 10 femmes et 10 hommes, âgés de 22 et 56 ans, la production choisit des personnes issues des horizons différents. Pour la 24e édition du jeu de survie, parmi les aventuriers compte une grande championne. En effet, aux côtés de 19 autres candidats, on retrouve une joueuse de football professionnelle. Il est âgé de Julie Debré. La jeune femme de 34 ans évolue actuellement en tant que défense centrale au FC Fleury. D'ailleurs, tout au long de sa carrière, elle a joué dans de nombreux clubs comme les Juvisy, Saint-Étienne ou Guingamp. De 2019 à 2021, elle a joué pour elle, Inter Milan. Julie Debré a fait parler d'elle en 2019. Elle a été sélectionnée par Corinne Diacre pour intégrer elle, équipe nationale française pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA. Pour mémoire, la compétition est déroulée en France et les Bleus ont atteint les quarts de finale. Julie Debré a fait la rencontre Regina Barzi durant sa carrière chez elle, Inter Milan. En effet, sa compagne Anne, est autre que elle, ancienne attaquante et capitaine de elle, équipe nationale italienne. Cette dernière est issue d'une famille de grands footballeurs. En effet, son père Giuseppe était également footballeur à elle, Inter Milan. Il y avait également Franco Barzi, son oncle qui a évolué dans le club AC Milan. La séduisante blonde partage régulièrement des photos avec sa compagne Regina Barzi, devenue animatrice, sur les réseaux sociaux. La joueuse de Elle, équipe de France de football pourra donc compter sur son soutien pour son aventure dans Elle, émission culte de TF1, Koh-Lanta, le feu sacre.